Cześć, siemaneczko, wszystkim witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. Lecimy z kolejnym rozdziałem oczywiście. Bez zbędnego przedłużania zachęcam wszystkich do subskrybowania, komentowania, no i oczywiście lajkowania. Wbijajcie w dzwoneczek. Idziemy na jakąś imprezkę. U Dona. Dzień dobry. Proszę tutaj usiąść sobie wygodnie. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Polly, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. S'il croit qu'il peut s'en prendre à des types honnêtes de mon quartier, il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Nie zawiodę pana. Papa, papa. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement, d'accord? Ok. Ça y est, le boss a fini? Non. Ok, rozejrzę się w barze. Ale nie mam pojęcia po co. C'est qui le nouveau? Tutaj coś mamy. Weź notatkę. Piszę do pana, by wyrazić swoją radość, że zechciał pan przyjąć zaproszenie na ślub mojej córki. Jeśli jest coś, czego szczególnie by pan sobie życzył lub oczekiwał, proszę mnie poinformować. To będzie naprawdę wspaniały dzień, a fakt, że cały świat ujrzy pana dającego swoje błogosławieństwo temu wydarzeniu, uczyni go jeszcze bardziej wyjątkowym i godnym zapamiętania. Pana wierny przyjaciel. Giovanni Romano. Romano? Jakoś tak. On lui donne un coup de main. T'as trouvé quelque chose? C'est lui qui va conduire le boss. Non. J'étais à l'œil. T'es pas prêt de perdre ton poste. Ouais, puis j'ai horreur d'attendre. Je me fais chier comme un rat mort. Si le boss dit que t'es pas encore prêt pour relever les compteurs, c'est que t'es pas prêt. Ok, dobra, idziemy dalej. D'après toi, je dois faire quoi pour? My tutaj coś mamy ciekawego. Il faut demander Carlo. J'ai pas de réponse à te donner. Qui est lui? Tutaj coś mamy. Le chauffeur de taxi, tu te souviens? Historia rodzinna. Lombardo, dobra. Tu jeszcze coś się świeci. Jakaś kartka. Przeczytaj. Prohibicja pozostanie w mocy. Produkcja i sprzedaż alkoholu pozostają nielegalne. W wygłoszonym dziś dla prasy przemówieniu prezydent Herbert Hoover podkreślił ponownie, że szlachetny eksperyment prohibicji nie zostanie przerwany. W odpowiedzi na krytykę ze strony demokratów obiecał też stworzenie skuteczniejszego i lepszego biura prohibicyjnego, które uniemożliwi nielegalny handel i przemyt. Okej. Prohibicja, tak, fajnie. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze kawałek tutaj dalej. Czy tutaj coś mamy? Nie mamy nic. Tutaj możemy sobie wejść. Avec Polly ou Sam. Le bar est fermé pour toi. Désolé. Dobra, nic tutaj więcej nie mamy. Do obejrzenia. Idźmy do naszego przyjaciela. Cześć. Je te laisse, faut que je file. Bon, viens par là.
Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Frank et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, on va le voir quand on a besoin de... matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de pépin. No, idziemy po Gnata. Okej. Lubię broń. Broń jest fajna. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Poli. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey. Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh. J'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Classyczny sprzęt. Tak. Si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails par ici. Oh, ya. Aïe, Molotowy. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. No, spokojnie, nie podpalimy sobie włosów. Dis-moi si Poli te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Dziękujemy bardzo. Te jakże piękne trunki. Il est un peu con, mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait ce débile, mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hey, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Poli, ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu boites toujours, ça veut dire qu'on a 2 éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Poli, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Lico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Poli. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok. On y va. Tu conduis. Oh. My jesteśmy driverem. Spoko. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. Kiedyś ci przed Celiska bolcowo. Dobra. Cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe et toi tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Dobra, jedziemy. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, s'il vous plaît. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour? Normalement, non. Tak, jeździcie, no. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule. Si t'en veux une bouteille, dis-le-moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais... c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, la peine est pitch. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneau, là. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouille? T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Boże, ta fura ledwo jeździ. Masakra jakaś.
No dalej, kurde, wlecze się ta fura, ja pierdzielę. Ledwo 50 na godzinę. Ha, mój człowieku. Kurde, tyle tych samochodów tutaj, że ja pierdzielę, nie? Przyjdzie policja. Standardowo. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri? C'est pas clair. Chacun prend les rues qu'il peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. Ja pierdzielę. Jakaś masakra. Bon, on y est presque. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu w końcu. Będzie gruba jatka. Egan Morello fume et taille le bout de gras devant. Et ils laissent leur caisse derrière. Une belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, par ici. Qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. Czy dostanę kulkę? Ok. To będzie ciekawe. On fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire, sans bruit? Ouais, comme ça. C'est habituel. Ton tour viendra, t'inquiète. Kulka. Lepiej nie dostać kulki. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Passe cette porte et monte sur le toit. Je vais occuper ce guignol pendant que tu te faufiles derrière et que tu lui règles son compte. Dobra. Je suis un expert en diversion. C'est ma spécialité. Trzeba się skradać. Je touche mon fric, moi. Ah, t'en fais pas pour ça. Elegancko. Jesteśmy. Teraz tutaj muszę podejść. Schowaj się za osłoną. Hey, qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que tu fous dans le coin? T'es qui, toi? Un type qui se demande quel genre de crétin t'a dit de faire le gay ici. Dino, c'est Dino qui m'a demandé. Dobra, muszę wejść tam. Salieri a des types à lui partout en ville qui veulent tabasser Morello. Et c'est Dino qui te demande de surveiller les caisses. Écoute mon pote, t'es qui d'abord? Tu connais Dino? Ah ouais, je connais. Ah, dobra. Il y a une fois où j'ai eu l'occasion de l'approcher par derrière et de l'étrangler. Mais je sais pas pourquoi, j'ai préféré. Muszę go załatwić. J'ai loupé une chance. Kuko. Voilà le travail, tu l'as pas loupé. No ici. Zapraszam pana. Allez, on s'occupe des voitures. Prends ta batte et prépare-toi à cogner. L1. Dobra, mamy takie kółko. A, dobra, muszę wybrać kij. Okej. Okay. Uderzamy. O, szajse. Szajse, szajse, szajse. Kurna, dawaj go pałą, dawaj go pałą. Pięknie. Ciach. Pyk. Elegancko. Dobra, molotow. Je vais pas le faire pour toi. Tak, i teraz ten. Ok. Si. Tout le quartier l'a entendu. To też mam spalić. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino? Si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette, crois-moi, je sais où tu la gardes. Des véhicules en feu, signalé à Nord. Super.
pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. Dobra. Tam była apteczka, ale nie mogę wziąć. A raczej nie muszę. Dobra, uciekamy. On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent. Et nous canard. Roule. Kurka, blada. Roule. Kurde. Oh merde. C'est les flics. Dobra, musimy uciec teraz. Qu'est-ce qu'on fait? Szybciutko jakoś. Et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de pas en rajouter. Mais bordel, je t'ai dit de pas les énerver. T'écoutes pas? Tu t'es pas fait assez tirer dessus aujourd'hui? Je t'ai pas dit de rester hors de leur vue? Scheisse. C'est dużo was tutaj, no. On les a semés. Reste hors de leur vue un moment. Korzystaj z minimapy. No dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Oni są dość daleko. Tylko żeby z przodu nigdzie mi tu nie wyjeżdżali. Ja pierdzielę, masakra jakaś. Fais gaffe. Ils nous cherchent toujours. Jedź ostrożnie. Spoko. C'est bon. On peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient Salieri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Krawaciarze. Typowe. Alors, ça t'a fait quelque chose? Tu ressens quoi? À propos de quoi? De liquider ce type? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais. Je crois quoi. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Kurde, ça sera jamais aussi bien après. Alors, tu penses que c'est une vie pour toi? T'en penses quoi, toi? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer des voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse? Non. J'ai tiré à cette caisse pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en tôle, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et 10 ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et que Vinny est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de connexion. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Je cousin est affranchi, voilà, il y a Carlo, dont le père connaît le Don depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Mais il y a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Tiens, je me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns. J'ai rien... Fais gaffe quand tu conduis. L'idée, c'est d'être discret. J'ai rien de mieux à faire. Elle est où, la caisse que je vous ai donnée? On l'a larguée. Mais pourquoi? C'était un veau. Celle-là est mieux. Daniel Slapsh. Voiture avec une vitre cassée? Un peu d'air frais. Ça fait du bien. Tak, świeże powietrze. Dobra, wchodzimy. Il est toujours avec toi alors? On dirait bien, ouais. Jakimś cudem. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez? C'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce sera un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici, alors écoute bien. Primo,
On surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Dozio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello, si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé ? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy ? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là... Don Salieri, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. No i zostaliśmy gangsterami. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Luigi, jedzmy coś. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, Marrone. Tak to działa w tym mieście. Achievement. Rozdział ukończony. Imprezka u Mołotowa. Okej, fajnie. To na tyle w dzisiejszym odcineczku, więc ja niestety, ale już się z wami żegnam, więc siemanero, trzymajcie się, do następnego, papatki. Żółwiczek dla was.